exprime. Attention. Non, bah, je suis pas obligé de lancer tout de suite. Hein. Qu'est-ce qu'on fait? On leur dit quand même qu'ils sont obligés de bien mettre le score au bout de chaque main, non? Bon, ils le savent de toute façon. Ouais, ils le savent, ouais, ils vont le faire. Ouais, pour les gamins surtout. Ouais, de toute façon, je lance. Hein, ouais. Mais il faut pas te servir du micro à côté de ça. Non, juste là. Non. Ouais, mais c'est bien, ça va. Tiens. On va dire entre les deux. Hein? On a pas besoin. Hein? C'est bon, c'est parti. Ben, mesdemoiselles, mesdames et messieurs, rebonjour pour la finale du championnat de Côte d'Or double ethnique 2019 ainsi que la finale du championnat de tête jeune. Donc une finale qui oppose l'équipe de la pétanque des loups en blanc, Alexia Potet, associée à Christopher Veyen, qui seront opposés à Kelly Fuchès et John Milanetto. Une bonne partie à eux, on vient de commencer, le bouchon est à peu près à 8,50 m et Alexia. Une belle boule à 40 derrière et Teddy vient de gagner le temps. Belle frappe de Christopher qui a pris un peu contre sur la sienne, mais. Non, c'est vrai, non. Allez, il a gardé le point. Ok, moi j'ai regardé côté le réseau là, parce qu'avec tous les problèmes qu'on a pu rencontrer ce matin, là, on est bon, on devrait pouvoir suivre cette finale jusqu'au bout sans avoir une interruption de réseau. Le boulot encore de Kelly, point 1,40 sur le côté à droite. C'est court, mais ça allait bien. Ouais. On a vu Alexia hein, tout à l'heure, hein, très bien pointé. Hein. Ouais, ouais. La demi-finale, et puis maintenant qu'elle fait bien là, et puis il joue le terrain. Il joue très bien depuis ce matin, il n'y a rien à dire, hein, les deux. Le terrain est encore plus sec. Hein. Ah, il fait très beau. Ouais. C'était au fil pour Christopher. Les joueurs en blanc se retrouvent avec deux boules contre quatre. Avec un beau témoin devant, mais pas facile. C'est bien envoyé encore. On a perdu, mais c'était bien envoyé. Allez, n'hésitez pas hein, à partager la vidéo. Et puis dans la semaine, ceux qui partagent et puis qui pour les nouveaux abonnés, vont gagner un polo pétanque movie et une casquette collector. D'ailleurs, je vais offrir une casquette collector pétanque movie à Christophe Boss qui m'a accompagné hein, aujourd'hui. Ben c'est très gentil à toi, Patrick. C'est très gentil à toi. Je pense que Christopher a dû perdre le point quand même, mais après, il va gagner. Hein. Après, l'équipe en rouge a encore 4 boules en main. Vu les terrains et vu la confiance que John a en ce moment, est-ce que c'est peut-être pas le jeu de tirer devant? Non, je pense qu'ils vont essayer de prendre. Les points, il y a moyen de rajouter un ou deux. Ouais, après, en tirant bien, si John avait le bonheur de bien tirer les deux, ouais. Ça faisait un peu plus d'espace quand même, je pense. Après, il a encore le temps de tirer après. Je pense qu'elle fera tiens bien. Voilà, c'est très bien joué. Rien à dire. Ils vont faire le choix de pointer. Puis bon, John a bien pointé. Hein, ah oui, c'est vrai. Ils sont assez complémentaires, les deux. En plus,
même si des fois John peut avoir un peu de malheur à passer à travers au tir, Kelly est capable de tirer de boules aussi, donc c'est vrai qu'ils sont assez complémentaires les deux quand même. C'est encore bien envoyé, du coup. Ah, tu vois, c'est ce que je te disais. 4 boules de rajouter, pour rajouter, si tu en fais que 2 sur la main, c'est pas cher payé. Alors que, tirant bien dans les deux tout de suite, il pouvait tout se passer. Ouais, bah, je vais essayer. Alors, en revanche, il faut pas mal tomber, puis rentrer, c'est de best-offer. C'est exactement ça. Pour le coup, il ne ferait pas. Après, je pense pas qu'il va prendre le risque de jouer dans la sienne. Je pense que si, justement, il peut le guider pour jouer à droite de sa boule, s'il en manque encore 1 sur 2, 3, c'est pas mal. Voilà, comme ça. C'est rentré, hein. Je pense. Pas sûr. Merci. Oui, c'est pas haut. Alors, combien de points? Je pense 3 quand même. Au début. Bon, on va attendre qu'on mette à jour le. Qu'est-ce qu'il dit? Ah bah oui, effectivement, c'est 3. 3 points pour les rouges, même 3-0. Ce bouchon qui doit se situer à peu près aux alentours des 8,50 m, je pense. Oui, parce qu'on a du mal à évaluer parce que les terrains sont grands. Les terrains sont grands et puis on a la barrière qui est juste devant, donc c'est vrai que c'est pas facile à juger. Mais puis on va finir par avoir un torticolis parce qu'on a le journaliste du bien public qui est en plein devant nous et qui nous bouche la vue. Voilà, c'est vrai que c'est pas facile. Mais bon, il nous a promis des cadeaux, alors donc. On verra bien. Kelly qui fait un début de partie beaucoup mieux que, oui, que la demi-finale. Alors après, il y a un peu plus de sable sur celui-ci que. Oui, il est peut-être un petit poil moins dur et encore, je suis pas sûr, mais. Il ne veut pas arriver. Hein. C'est encore bien joué. Hein. Elle n'a pas gagné, mais elle a bien joué. Je pense que Stopper va se lancer au tir quand même, parce qu'il défend un point qui va tirer 40, à moins qu'il nous gère quand même. Moi qui j'ai le point. Peut-être. À moins qu'il ait le point. Les jeunes se posent moins de questions que nous. Hein. Oui. Bon, dans le rond, ils envoient et ils n'en perdent pas beaucoup. Ben, elle a gagné. Ah ben, j'en ai gagné, quoi. Je ne sais pas si c'est un avantage du coup pour le jeu. Ça dépend, ça reste une finale. C'est la première boule que John va tirer. Donc, il a tiré John. Très très bien joué, voilà, joué. On a parlé avec ça. On l'a vu bien pointé, hein, dans tous les cas, en demi-finale, sur le même terrain. Oui, mais je pense que les deux équipes qui se rencontrent sont en finale d'un championnat, c'est qu'ils méritent d'y être. Hein, après. Ah, Christian Besson nous dit que le son est impeccable. Ah, merci Bebès. Ah, hein. Alors c'est sûrement dû, je pense, à la qualité du réseau hein, qu'on n'a pas eu ce matin. Il a tiré encore le John, hein. Certainement. Par contre, j'ai une restriction. Hé!
Ah, du coup, c'est moins elle a perdu les deux, je pense, non ? Ouais, elle a perdu sur les deux. C'est vrai qu'ils ont peut-être un jeu un petit peu moins offensif que certaines équipes, quand même, je pense. Oui, je pense aussi. Mais je l'ai dit hein, ce matin, c'est là. Alors après, parce que aussi, Alexia pointait très bien. Oui, oui. Donc, j'ai préféré vraiment l'avoir pointé. Parce que j'ai pas vu Alexia depuis les 8e ce matin, tu es nouveau là. Non, c'est possible. Pas après, elle n'a pas eu l'occasion d'aller. Elle a beaucoup souffert ce matin, je pense, parce que 3-3 contre une équipe de Fenay et après. Une belle équipe de drapeau 13-0, ils sont passés un peu à travers, mais c'est vrai qu'ils n'ont pas eu beaucoup à tirer. Donc... Bon, on tire frappé pour John, qui a cadré, 3 points par terre. Hein. N'hésitez pas à nous faire vos commentaires. Très bien joué encore. Du coup, ça paraît facile là. Du coup, ils ont mis. Bah, ils ont gagné 3 fois un point qui est à 30 cm. Kenny tire à 3 quand même. Hein. Ouais. Pas que le bouchon démarre. C'est cool. Ouais, elle avait deux boules. Hein. Ah, je crois que Toff a encore une boule. Hein. Oui, oui. Là, maintenant, ils vont peut-être se poser la question parce que si le bouchon démarre derrière, j'ai bien l'impression que c'est tout qui boule au blanc. Derrière. Après, le problème qu'il y a, c'est que si tu pointes, tu abandonnes la marque. Alors que tu tires quand même à 3. T'es 3-0, tu commences, moi je tire ça encore. Ah, je pense qu'il va la faire tirer. Hein. Surtout qu'il est capable. Ouais, elle va tirer, je pense. Avec la connexion entre la lutte et ça coupe de temps en temps. Joli. Alors la contrée, c'est vrai, c'est bien quand même. Donc du coup. Ça change rien, juste je pense que Top il tire au point. Parce qu'elle a fait casquette, elle a reculé. Je pense que Top tire au point. Assez. Je sais pas s'il y en a assez. Je pense pas. De là, je te dirais qu'il est encore chez Kelly et John, mais. Ah non, John et John chez eux, franchement, un point sur les blancs. Il y avait 3-1 dans cette finale, on continue. Alors je vérifie hein, la connexion, c'est vrai qu'on a une connexion qui n'est pas terrible. Ah, on va appeler l'arbitre parce que là j'ai fait une poêle. Il est pas bon. 1m65, donc le bouchon n'est pas bon, donc c'est l'équipe en rouge qui va le poser à la main. Je pense que John va raccourcir un petit peu. Ouais. En jouant avec une fille qui joue gauchère. Voilà, il va commencer. La croise gauche. Pas une bonne connexion encore. Décidément, c'est pas notre journée. Non. Et Alexia, c'est pas très, très bien tombé. Il y a un point à 1m, 1m10 sur le côté. On
Arnaud Gonzalez qui nous dit pas chier, c'est faire. Ah oui, mais ah oui, Gonzo. Là. C'est repris par Kelly, on prend un 60 sur le côté un peu derrière. Elle est belle en l'air, hein, tout le monde. Bien joué. Hein. Bien joué de la part d'Alexia qui a gagné ses points. Je vous rappelle que les terrains ont beaucoup séché, qui sont très très durs. Pour l'instant, je me laisse sur trois frappes. Hein. On a tiré encore de la part de John, hein, qui fait un début de finale très correct, hein, 4 sur 4 au tir. Hein. Très bien joué encore de la part d'Alexia, pour quasiment embouchonné. Il semble bien que c'est la première finale pour Alexia et puis Christopher en mixte. Ah, sûr, de toute façon, après Christopher a été champion de Ligue Cricket provinciale. Ouais, c'est encore cadré pour John. Il les lance bien, il a un beau geste bien fluide, il les lance bien. Ouais, et puis ils sont confiants. Bah, c'est marqué. Marqué. Du coup, ça peine, mais hein, du coup, tu vois, par rapport à la demi-finale, quand tu avais les trois boules à pointer tout à l'heure, quand tu as mis le nœud et que tu as monté les boules un peu au ciel, on va dire, ça n'a rien à voir. Enfin, c'est le même terrain en plus. C'est le même terrain. Ah, c'est pas droit, c'est le premier loupé de John. C'est dommage parce que c'était une belle main encore. Ouais. Parce que les deux points, même s'ils sont un peu écartés, peuvent se perdre. Qui est en trois boules hein. Non, deux. Deux, deux. Deux ouais, c'est qui la boule là-bas deux. Et, deux boules à deux et elle tire à deux. Ça, on va tirer. Hein. Ah, je pense. Deux. Ah, c'est bien joué parce que c'est pas le pointé. Hein. Bah, c'est pas facile. Moi, le perso, j'aurais pas pointé. Non, moi non plus. Je pense qu'en tirant, il faut encore regagner le point. Hein. Même si. Ah, vu la forme de Christophe depuis ce matin, je préfère l'avoir pointé le tiré. On remarque la main d'avant, il a gagné deux fois le point avant. Toi. C'est vrai. Ouais, c'est une finale, ça reste une finale. Hein, c'est ça. Ouh, c'est juste pas drôle. Là, par contre, maintenant, elle va faire tirer de ses gars. Après, c'est une boule à une, hein. Il peut encore retirer, hein, je pense. Il n'a pas le droit de retirer. Kelly, elle tire à 3 derrière. Non, 2. C'est pas la boule à. Non, mais la noire et la blanche là, qui sont en face de nous, c'est la boule à jaune et à Kelly. Ouais. Donc, même s'il tape, elle tire encore à 2. Ben, dans tous les cas, il faut rentrer. Quoi. Dans tous les cas, il faut couper. Sinon, déjà, tu as la sûr de ne pas marquer, et puis après. Heureusement qu'il touche la boule. Hein. Heureusement qu'il touche la boule. Bien joué. On s'est peut-être fait le point quand même. Non. Ah bah oui, avec la boule de devant. Ah, ça va mesurer. Ah,
pas le point. Il faut faire mesurer l'adversaire. Et derrière. C'est les rouges qui ont encore le point. Bon, un peu plus rajouté, il pointe bien dans tous les cas. Ou alors elle décide de tirer la première devant, c'est jamais, elle peut taper les deux, elle est un peu en face, elle est gauchère. Pas mal les légers justement, ils vont pointer. Ouais, elle a déjà pointé sa première, mais l'option de tirer n'était pas mauvaise non plus. Parce qu'en pointant, faut pas fuser. Hein. Si tu démarques la tienne, t'en perds deux, ça fait cher. Oh, c'est fort. Je touche pas la boule parce qu'on a les étoiles au millimètre. Ça fait un point du coup. Hein. Un point pour les rouges, 4 à 1 pour l'équipe Milanico Fuchsès. Qualité du réseau, c'est quand même pénible. John qui vient de jeter le bouchon était pas bon, du coup il préfère la poser à la main, à peu près 8 mètres, 50. Décale pas au gauche. Merci. Christophe a décidé de poser le bouchon à la main le long de la ficelle, juste pour une boîtière qui est différente, et je lui ai fait un point correct à 50. Très bien joué de la part d'Alexia quand on bouge. Oh, c'est court. C'est court pour John. C'est pas bon. C'est manqué d'ouvrir. C'est manqué d'ouvrir. On va avoir l'occasion de revenir, essayer de faire une belle main. Oui, la main se présente plutôt bien pour l'équipe en blanc. C'est cool. Bon, elle est déjà là. Très bien, elle a bloqué, on va dire la même, comme je dirais. Thank you.
Je dis qu'à bien c'est le jeu, hein. On va dire qu'elle a encadré la boule à l'essai, elle a deux belles boules. On va décider de mettre une derrière au cas où. On va décider de serrer encore. On va éviter 5 boules en main pour l'équipe en blanc. Et si Christopher tire bien, ça peut les faire venir dans la partie. J'ai sauté. Okay. J'ai manqué. J'ai manqué. Alors moi du coup j'ai toujours après le réseau. Très très bien joué encore de la part d'Alexia. Je sais pas si elle est rentrée, mais en tout cas elle a bien joué. Par terre. Peut-être deux quand même, parce que sinon je pense que toi pour la petite décision quand même, il n'y avait pas trop de risques. Moi qui vais essayer de jouer un peu dedans, je sais pas. Sûrement un. Hein, ouais. Dommage que j'ai pas remporté cette semaine parce que je pense pas que ça va être toutes les mêmes que John. Je pense. Et qu'il y passe à travers sur cette semaine, enfin sur une main. C'est bon. Vous avez peut-être pu prendre l'option de retirer même après le premier coup. Donc ça fait un point du coup. Un point du coup, ouais, pour l'équipe Alexia Côté et Côté Pazéienne. L'équipe en rouge de Mirbeau, Daneto mène 4-2 face à Zéienne. Pour l'instant, on a vraiment encore un problème de, pas de réseau, mais là, c'est du bas débit, du coup,
sera légèrement en différé. Mais bon, j'enregistre quand même. D'accord, écoute, pour l'instant. Allez, on va revenir à la partie. Je vais arrêter de chercher. Je suis entre 1m50 avec sa Cosimi, un peu décalé sur le côté et 80 derrière. Donc, il y va pointer. Bien joué de la part de Kili qui s'est mis à 25-30 cm devant lui. Qui oblige Christopher à tirer. C'est pas droit. Ah, on voit dans la finale des juniors, là, il y a 9 à 0. Hein. Oui, 9-0 pour l'équipe de l'entente Marsanet, Fontaine, Fonet avec David Michelin, Baptiste Penning et Anthony Prudent qui mènent 9-0. L'équipe de Saint-Rémy. Contre l'équipe de Saint-Rémy, et il semble bien que l'équipe de Saint-Rémy tire pour la marque. C'est la dernière. Du coup, Alexandre. Et puis ce matin, il a toujours l'option quand il manque de faire pointer, de jamais tirer la deuxième, de faire toujours oui, pointer à l'élection. On l'a rarement vu, elle est tirée deux fois d'affilée. C'est vrai qu'il est un petit peu en dessous dans la finale par rapport aux trois parties depuis ce matin. Il tire un petit peu moins bien, après c'est ce qu'on dit, une finale, ça reste une finale. Après, la même d'avant, c'est dommage qu'ils ne profitent pas, ils auraient pu coller au score. Et donc là-bas, pour les juniors, c'est un nouveau point pour Marc Marsanet. Fontaine qui mène désormais 10 à 10. Ah, et là c'est Caro. Ils sont en retard de 3 à 5 à 2 pour le match. Si elle vient à la route, puisque tout de suite, ça peut faire une bonne note quand même. Ça s'est écarté à la table des trois. Alors là, il l'a caché. Il l'a caché, mais enfin, si que ça vient tirer quand même. Christopher vient tirer, ils ont une peu de temps. Ouais, puis même, j'ai envie de te dire que même s'il pète les deux, il en aura toujours deux après. Ouais, et puis bon, c'est ça. Mais Dieu n'a encore trois boules. Hein. Ouais. Tout, hein. C'est pas vrai. Alors, on est en face, on a vu. C'est pas vrai. 3 sur 8 au tir. Mais Christopher, notre journaliste préféré du bien public nous dit Christopher, il est à 3 sur 8. Donc pour le coup, on nous sert. Je ne sais même pas s'il a fait autant de trous dans le début de John Milanetto. 5 sur 8. 5 sur 8. Alors si elle venait avec lui, elle a gagné. Hein. Bah, j'ai envie de te dire que si John en rajouterait, je pense qu'il aura fait une belle main déjà. Je me bats avec la connexion, j'ai pas de vie. John qui reste éco et qui s'est bouché un peu le jeu, on va dire.
J'ai aimé le jeter, hein, cette semaine. C'est très bien joué, mais j'ai bien peur qu'il ait donné le point à l'adversaire, peut-être. Ouais, je pense. Non. Oh non, il y a toujours le point. Toujours le point, du coup, il peut jouer chez la sienne. Ouais. De toute façon, il y a le garde de solution. Enfin, de l'autre côté, il peut démarquer. Il peut se démarquer. Donc après, si t'en fais qu'un, t'en fais qu'un. C'est pour ça que la boule à top, elle était importante. C'est pas que ça va taper la voûte, ça pourrait faire jouer quelques boules en face. Pas mal envoyé encore. Et là, ça sera un point pour les rouges. Même désormais 5 à 2 face à nous. Vous allez pouvoir côté de Christopher Zeyen. Du côté de l'étoupe du sujet, hein. À chaque fois que le bouton il croise. Hein. Ah, c'est-à-dire que Kelly est en gauchère, c'est plus son jeu à croiser que de jouer le long des ficelles. Ça joue assez long, je trouve, quand même, dans ce final. Il n'y en a pas une seule main à 6 mètres, 57 mètres, c'est entre 8 et 10. Là, il y a à peu près 9 mètres encore. Je sais pas si c'est la peur des carreaux à chaque fois, je sais pas. Mais en tout cas, ça joue assez long quand même. Court, hein. Je pense qu'un jeu court, c'est peut-être fatal pour une des équipes. Ouais, après... Même à 6 mètres, c'est dur, maintenant. Après, elle tombe bien, ensuite. Elle est très bien jouée, c'est assez dommage, elle a passé. Moi, un peu fort, on trouve une chose. Peut-être juste une petite pression, je pense que ça manque un tout petit poil de hauteur par rapport au. C'est dans le boule qui est plus pointée. Certes, elles sont bien jouées, mais ça manque un peu de hauteur. C'est là, elle est partie à l'écart. Ah, alors attention quand même. Ah, attention quand même, parce que là, faut que les filles se peuvent. Ils se mettent dans le jeu, hein. Dès la première. Je pense qu'il va prendre au moins la première. Il va encore embouchonner, essayer de gagner. Devant la boule, on sait jamais, hein. La boule est quand même 40-45 derrière. 40-45 derrière, c'est bien joué, il a pris le bouchon, quoi. C'est bien joué. Ouais, mais il a amélioré les deux points d'Alexia derrière, mais je pense que John tire encore au point. Hein. Ah oui, je pense aussi. Le bouchon est parti. Bon, après... mais il a peut-être le point encore. Non. Non. C'est sûr qu'il faut qu'il rejoue. Bon, après, c'est large quand même. Je pense qu'au Kenny, quand même, il y a de la place. Elle est gauchère en plus. Son 4 boules à 2. Le bouchon est à peu près à 10 mètres maintenant. Si elle le gagne tout de suite, elle aura fait du boulot. La finale junior, là, l'équipe de Saint-Rémy a marqué un point. Ouais, décollage au score, 1-10. C'est bien lancé, c'est gagné. Ça va être gagné.
mettre 3 boules à 2. L'amener à manger du coup, parce qu'Alexia avait perdu ses 3 boules. Ouais, je me dis quoi, elles ont compté, parce que comme bah oui. Pas en bouchonnier, quasiment le bouchon a démarré, ça a fait jouer une boule aux adversaires, donc ce qui fait qu'elles sont quasiment boule à boule maintenant. C'est la boule de retard, mais bon. Il y a un bon 10 mètres, on ne sait jamais. Par contre, on peut gagner tout de suite. C'est court à la main. C'est vraiment court à la main. Il a projeté. Il s'est projeté de la part de la troisième. Ah oui, là, il a pas lancé ses boules. Et attention, pour s'est garé parce que ça se trouve, peut-être que les rouges tirent encore à deux, je sais pas. Non, mal un peu à l'ordre de loin. Je ouais, sais pas. Dit, mais... C'est vrai que c'est loin, mais bon, les... je pense pas. En fait, bien c'est là, parce que même s'il y a un banc gauche, il peut se permettre de jouer dans la boule à gauche. Un noir, c'est à eux. Ah, c'est bien joué. Bien joué. Pas trois boules pour marquer. Ah, c'est bien tiré. 10 mètres 50 en montée, 20 derrière le but, rien à dire, bien tiré. Là, il a encore sur la main, il a encore deux buts pour rajouter. Il y a quand même de la place. Est-ce que Kelly va prendre l'option de jouer avec sa main gauche en face du premier carreau à John? Je pense que John va lui en parler quand même. Non, du coup, non, elle décide de jouer naturel. Enfin, c'est la couleur qu'on 3, c'est joli aussi. Hein. Ah, je pense que tu auras 8-2. C'est 8-2, tu es à mi-partie. Hein. En plus, il y avait carré de jeu comme une droitière, donc après, ça ne bouge pas trop de problème non plus. Hein. Si John met la boule, hein, ils auront fait une bonne pleine. Hein. Oui. Ah, je l'ai envoyé. Ils ont réussi à jouer 3 points. Ils ont joué 6 sur la main. Hein. Ils sont plus complets tout à l'heure. Hein. Ils jouent un petit peu mieux. Ils jouent deux boules de plus hein, voilà, par main. C'est ça qui fait la différence pour l'instant. Ils passent le score de 5 buts à 2 pour l'équipe en rouge, Kim Duchesse et John Milan. 8 à 2. Encore pas mal de monde pour regarder cette finale quand même. Oui, il y a beaucoup pas mal de monde. Hein. Le soleil est au rendez-vous, on est bien. Hein. Le bouchon se trouve à couper à 8 mètres encore, hein. Ça ne change pas trop. C'est encore bien pointé de la part de Kelly. Hein. Tiré de la part de Christopher. Un bâtard, 50 derrière, un peu décalé. Ça fait jouer, dans tous les cas, ça fait jouer. Ça fait jouer. On est déjà là. Les blancs vont pointer. Ah oh oui, ça va pointer. Oh, la montée sur ce bouchon, elle l'a perdu. Pourtant, bien joué encore, c'est bien monté. Comme tu disais tout à l'heure, c'est peut-être
pas assez monté encore une fois. Enfin, par rapport au parcours qu'on a vécu ce matin, c'est vrai que ça monte un tout petit peu moins haut que ce matin. Après, c'est bien joué quand même. Je ne joue pas grand chose. Hein. Belle reprise avec ça. Enfin, le mérite, hein, parce que depuis, même la main d'avant, un en paire deux, bon, elle est juste un poil long. Elle est pourtant bien. Si on est comme ça, la première adjointe, elle est capitale. Hein. C'est pas possible de sortir les boules à boules. Et... Oula, c'est ça. Magnifique carreau de John. Ça joue bien quand même, il n'y a rien à dire. Hein. Ah bah tu peux mettre un peu le carreau, hein. Il n'y a plus que ça à faire. Ça va, mais c'est pas. Tu peux y penser. Et voilà, carreau, super. On va bien tirer. Super carreau, tout ça. John a manqué, mais elle a tapé la première boule qu'Alexis avait pointée. Oui. Ce qui va peut-être lui permettre de retirer. Parce que s'il avait manqué sans taper l'autre derrière, il pouvait pas retirer parce que moindre contre et ça pouvait coûter cher. Tandis que là, je pense qu'il va pas se gêner de retirer. Ça dépend. Parce que s'il se dit on fait contre ou je manque, c'est deux boules à deux, il faudrait qu'il cadre deux fois pour faire 4 points. T'es 8 à 2 au score. Il faudrait qu'il manque celle-ci. Donc, t'es 8 à 2 au score, deux boules à deux. Si tu tires pas là, t'abandonnes la marque. Connaissant John, je pense qu'il va décider de retirer. Parce qu'après, je pense que même s'il vient bien tirer la bouche, je pense pas que Top va se lancer au tir deux fois. Sachant qu'avec ça, encore pas tiré une seule boule quasiment. Ça discute. Voilà, c'est bien ce qu'il semble. Une partie retire en signe. Ce qu'il entend, c'est qu'il aura fait carreau. Hein. Oui, c'est ça. Il aura au moins cadré. Ouais. Après, faut pas qu'il amende du mauvais côté. Hein. Il avait bien manqué du mauvais côté. Hein. Il avait manqué du mauvais côté et il a sauté par-dessus la sienne. Sinon, ça aurait pu leur coûter cher, mais je pense qu'ils ont joué le jeu quand même. Beau carreau, peux-je te faire un quart tourner la main, hein, parce que comme John a fait carreau. Ah, alors du coup, je pense qu'elle laisse le tir à deux. C'est possible. Elle a peut-être coupé quand même, je sais pas. En tout cas, si elle a coupé, elle est bien parce qu'elle est en plein jeu, mais je pense qu'elle a coupé. Ouais. Alexa, elle donne devant aussi. Ouais, ouais. Bien joué de la part d'Alexa qui est peut-être rentrée quand même. Alors que là-bas chez les juniors, ça a l'air de se préciser parce que si je ne vois pas trop mal, je pense que David Michelin de Fenet a encore deux en main et le point par terre pour rajouter. Parce que il me semble que le milieu de Saint-Rémy a tiré le but. Ouais, ça doit être ça. Pour pas perdre.
pense que là, les carottes vont être cuites en semaine. Je pense. Mais c'est bien joué. Hein. C'est bien joué. Je pense qu'il y en a trois. John ? Un, trois. Trois points. Trois points pour l'équipe Alexia Pepe et Christopher Zeyen qui recolle un peu au score. 8 à 5 pour l'équipe Philippe Chess et John Milan 2. Ah, 2-3 jeunes font mal. C'est ça. Bah, écoute, on les a vus quand même, les mènes d'avant jouer 2-3 boules de plus que l'équipe de Zeyen. Et puis côté, hein, maintenant, c'était l'inverse de cette peine. Ah, quand John a fait carreau, si Christopher ne rend pas le carreau tout de suite, il repart encore avec 2 boules de retard. Et du coup, John a manqué double. Après, c'est des écarts qui sont importants. C'est court cool, et en plus c'est pas que dans la main qui est du beau cher. Donc... Ça joue pas mal chez les cadets là-bas aussi, 9 à 8. Je sais pas si c'est de Brune ou de Marcelin, mais il y a 9 à 8. Il y a Brune contre Marcelin. C'est, bah, c'est gagné pour Philly, mais ça a été loin. Ouais, donc un peu plus de place. Vas-y, allez, rentrez. On va rentrer une. Pas d'auteur et puis loin. Pas d'auteur, mal envoyé, un peu loin. Ah, il est tombé sur le but. Elle n'en a pas égaré beaucoup depuis tout à l'heure. Hein. Non. Bravo, Kelly Cambouche venait juste derrière le but. Beaucoup mieux joué, beaucoup plus de hauteur. Très bien joué. Christopher qui est tombé sur le bouchon, mais le bouchon ne doit pas être sorti. Il a dû s'arrêter à peu près à, on va dire, 5 cm de la ficelle. Et si je ne dis pas de bêtises, je pense que l'équipe Akeli a 3 points par terre. 3 points qui sont très très loin, mais ils ont 3 points par terre quand même. Et sachant que le bouchon n'est pas très loin de la ficelle, c'est pas le moment de prendre beaucoup de risques quand même, je pense. Ah, c'est encore bien joué de la part d'Alexa. Là, il y a 11 m50 et Alexa fait un point à 40 devant, c'est très bien joué. Et c'est fini dans la catégorie cadet avec la victoire des jeunes de l'entente Marsanet, Cochonnet du Serein, Chambellan Clément, Anchose Romain et Bilalescu Théo. Sur le score de 13 à 8, face à l'équipe de Beaune, Laurent Jérémy, Laporte Kylian et Michel Bradley. Un jeune qui tire quand même l'argent, il tirera fort, on ne sait jamais. Bravo, il a tiré de la part de John. Je te dis.
dit, toi, tu n'as pas le droit de prendre de risque, là, comme il y en a 3 par terre. Non. Le bouchon, il est à 10 cm de la ficelle, hein, il faut bien prendre. Il faut juste pas sortir. Ouais, c'est ça. C'est bizarre même de tirer sur le boule un peu écarté comme ça par rapport tout à temps, la fatigue. Tout le temps, depuis ce matin, il le fait. Tout le temps. Tu fais un coup sur une boule à 30. Je pointais obligatoirement. C'est bizarre d'aller voir tirer tout de suite alors que. Tu peux pas jouer dans la lancée quand même. C'est court cool, d'avoir un tir. Il y a pénible. J'ai beaucoup mieux de la part d'Alexa, j'ai quasiment bouchonné. C'est tapé de la part de John qui a peut-être fait 2 points. Alexia qui a perdu le point mais qui a peut-être coupé le deuxième. Est-ce qu'il va décider ce soir? Est-ce qu'il décide de tirer à la boule pour faire jouer? Est-ce qu'il décide de partir au bouchon, de pointer dans la boule? Je peux pas voir si on a 2 ou 1. Il y en a 15. Je sais pas si on dirait qu'il hésite à aller tirer le bouchon. Le chien a 15, c'est pas trop le tirer le bouchon. Non. Il y a que 9, il joue 4. Je crois qu'il tire le bouchon, il en a peut-être 2 quand même. C'est tapé. Oui, il n'avait qu'un. Ouais, John qui va tirer. Quasiment au pied de la boule et elle ne s'est pas donnée. Alors que dans la catégorie minime, on n'a pas les noms exacts des volets, c'est juste que c'est les enfants de Damien Michel, le frère et la sœur, qui sont en finale après leur titre. J'ai acquis la semaine dernière au championnat du Bled. Et ils sont opposés à une équipe de loin, on ne voit pas très très bien, le score est de 7 à 7. Bravo, Poupine. Kelly Cambochon. Deux solutions pour toi, tu pointes et... J'espère pas prendre le carreau alors qu'il tire pour espérer casser la gagne. Mmh.
Oui, ben, il n'y a pas cuit, hein, mais si tu veux. C'est comme ça le réseau, on a le bas débit. Magnifique, super carreau, Christophe, qui non seulement a fait carreau et a chassé l'autre derrière à John. Ce qui fait que les blancs ont 3 points par terre. Et une boule en main, par contre 2 boules dans les mains, qui dit à John, une chacun. C'est plus de rentrer au moins sur la première boule. Ouais, c'était quasiment une mètre de gagne quand même. Oui. Il a été quasiment tiré pour ne pas perdre. C'est et puis ça. À la sortie, il s'est retrouvé quasiment une mètre de marque. J'ai envie de te dire qu'on n'avait pas la main. Kelly qui a perdu les 3. Petit tournant de partie quand même. Hein. C'était quasiment une de gagne et à la sortie, des blancs ont 3 points par terre. Un à 20 cm, un à 35 et un à 80 et toute une boule dans les mains à John. Pour rentrer John, il n'y a pas le choix. Alors, John qui a fusé, ils ont perdu 3 points sur la main. Il y en a 3 ? Ouais, je pense, ouais, 3 points. 3 points pour les blancs. Tournant de partie, c'est énorme. Recollage au score 8 à 9. Bref. Voilà, la partie est relancée du coup. 9 à 8 pour les clients qui touchent sur ça. Avec ses apôtres, boule de main quand même. Au départ, c'est quasiment le même de gagne, hein, Pat. Et puis à la sortie, 3 points, c'est énorme. On fait deux beaux carreaux de Christopher. Mais, ça fait vraiment de partie. Alors, de notre côté, nous rencontrons toujours un problème de bas débit. Comme ce matin. Donc, du coup, on va continuer comme ça. Ça enregistre. Et puis, nous verrons en différé. On n'a pas le choix. On s'excuse. Le cours. Première fois que le bouchon est un peu plus court. 7 mètres. Alors que chez les juniors, l'entente Marsan et Fontaine-Fenel mène 12 à 4, ça l'équipe de Saint-Rémy. Ah, Alexia Carr. Là au vent, je veux dire que 3 barres, on n'est pas encadré, il y a 2 barres ou 3 barres, donc c'est pas suffisant, hein. Pour faire le live, c'est un peu embêtant. On a dépassé l'heure de jeu. Et on a dépassé l'heure de jeu, ça c'est là. On est à 1h06. Ah, je vais la part du jeu, donc du coup. Je vais m'en remettre dans la partie, du coup je vais arrêter de. Pour avoir un meilleur réseau, j'y arrive pas. Il n'y a pas moyen, dans tous les cas. On a que 2 barres avec Orange. Donc du coup ça enregistre et puis je la diffuserai tout à l'heure en différé. Bien tiré encore. Christopher qui commence à reprendre un peu du poil de la bête quand même. Je pense que la main de 3 qui vient de faire leur a donné un petit peu. 9 sur 15 au tir. Il y a 9 sur 15 au tir, nous dit le journaliste du bien public, 9 sur 15. Alors que dans la finale minime, l'entente Nollet a égalisé 7 partout face aux 3 petits jeunes de Beaune. Ça va plus possible, c'est bien. Et dans la finale junior, je pense que ça se complique pour les jeunes de Saint-Rémy, puisqu'ils sont deux boules à 4 et 2 points par terre pour l'entente Fenet, Marsanet, Fontaine. Ils sont en train de décider avec le coach aussi, tir au bouchon ou pas. Je pense qu'il y va, ouais, oui. Il en a qu'une par contre.
Bon ben vous inquiétez pas, hein, je diffuserai la vidéo en différé tout à l'heure. Parce que Christophe va plus me tirer. Et ça a une nouvelle fois. Encore tapé. Une belle partie au tir, hein, quand même, malgré tout. Mieux. Il a un petit peu commencé timidement. Après, c'est ce qu'on dit, une finale reste une finale. Le début de partie est très important. Il a commencé un peu timidement et là, ça va beaucoup mieux. Il les a su profiter un peu de la même un peu galère qu'ils ont eu la même d'avant. Et du coup, ça se tient maintenant. Ouais. Parce que là-bas, chez les juniors, on joue la dernière boule du côté des jeunes de Saint-Rémy. C'est manqué perdu. Parce que Kelly a regagné le point, bien joué 3 fois. Et chez les jeunes, c'est fini. Avec la victoire de l'équipe Michelin David, Pénin Baptiste et Prudent Anthony. Contre l'équipe Bakery Luca, Pinchot Noah et De Santos Sacha sur le score de 13 à 4. Bravo à eux et bonne chance pour le championnat de ligue. Ah, c'est super bien joué, c'est bien joué, c'est super bien enchaîné. C'est important que ça qu'est sauf à... Ouais, ils ont encore 2 boules en main. 3 boules à 2. 3 boules à 2. Ah, John, faut qu'il arrive à oublier la main d'avant. Ah, c'est bien tiré, sorti seul. Bien tiré, sans bouchon. Ah, c'est super bien. C'est magnifique. Deux bouchons, rien à dire. Très bien. De la part de John. Sur ah, c'est... Boule, c'est bien tiré. C'est bien tiré, hein, parce que des fois les bouchons, ils les sortent. Ouais, tu vois la main d'avant, dans la deuxième qu'il a tiré, il est tombé quasiment plus de la boule et puis il a sorti, ça a retourné la main. Et là, il fait deux belles frappes sur le bouchon. Ouais. Le bout, c'est comme ça. Hein. Mais comme on dit dans la montée, c'est un peu plus sableux, il y a moins de surprises qu'en descente. Donc après. Ça, de toute façon, en descente, on a pu observer que ça pointe moins bien. Ouais. Ça pointe moins bien, ça tire un peu moins bien aussi. Mis à part Christopher qui a fait deux carreaux la main d'avant. Ok, cool, il n'a pas jeté. Oh, quel dommage, parce que là, John a de la place hein, quand même hein, pour ajouter le deuxième. C'est dommage pour Christopher qui a fait ça, parce qu'ils ont fait une super main, ils ont joué 5 boules. Il a joué celle-là, c'est obligé de John à jouer sa dernière marquée. Parce que là, il a un peu de place pour ajouter quand même. Ah, il avait... Comme il les envoie au point, il n'y a pas trop de surprise quand même. Donc, en tout cas, très belle main. 11 boules sur 12 de jouer et 11 à 8 pour l'équipe de Miro, qui est Puchet, c'est John Milanetto. Face à Alexia Poté, c'est 11 à 8. Tout le monde participe, mais du coup, je pense qu'ils nous entendent parce que le son doit passer. Parce que c'est juste le flux vidéo avec le bas débit rencontre. La HD pour gagner un peu de débit, mais ça m'a pas fait gagner grand chose. Ouais. Du coup, bon, je diffuserai la vidéo tout à l'heure en différé. Du coup, je ne sais même pas si sur site, s'il n'y a pas de réseau, si ça fonctionne aussi. Je ne peux pas se voir parce que là, si. Oui, non, mais je ne sais pas. Je ne sais pas. On s'est bien joué. Ouais, c'est bien joué. Kelly qui fait quand même dans l'ensemble une très belle partie au moins.
deux boules à tirer, un trou, une frappe. Au niveau du point, c'est vrai qu'elle n'a pas égaré beaucoup quand même. Ah non. Même non, Alexia aussi. En même temps, l'ensemble, c'est une belle finale quand même. Ça reste une finale. Oui. On va dire qu'il y a un peu plus de tension que par rapport au demi-finale. Au demi-finale, c'est vrai que d'un côté ou d'un autre, ça a été assez rapide. Ah, c'est, ah, c'est court, mais c'était droit. Même devant, c'est sauté. On ramasse pas. Est-ce qu'on va le voir tirer une deuxième fois d'affilée? Là, je pense que oui, là, il n'a pas le choix. Ouais. Là, il n'a pas le choix. Il y a 11 à 8. Il ne peut pas gagner un point. Il y a le bouchon dans le coup quand même. Il y a le bouchon. Qui sort quelque chose là. Ah, c'est bon. Il faut retirer. Ah, je pense que le vrai jeu, c'est de faire tirer la pioche. Oui. Parce que si il a encore une boule au bouchon. Il a encore une boule au bouchon lui, mais c'est surtout que s'il peut la décaler un peu du but, si elle peut la décaler un peu du bouchon. C'est ça. Alors c'est que le... dans la finale minime, c'est l'entente de Nollet qui mène 10 à 7, ce jeune flic de Beaune. Décidé de jouer dans la boule. Ah, mais s'il l'a fait pointer, c'est pas grand boule, il est perdu, je veux dire. À moins que la boule puisse être déringuée pour aller tirer le bouchon, je sais pas. Oh, voilà, c'est super bien joué. Voilà, c'est super bien joué. Super reprise d'Alexia, elle a joué à la perfection. Depuis ce matin, il avait vu très bien pointé. Ah non, mais il n'y a rien à dire, c'est bien. C'est très bien. Ça tape tout de suite, si ça démarre. Ah, c'est bien. Ça tire à la perfection. Ça tire à la perfection, pas de bouchon, pas de contre, et il a tiré à la perfection. La boule d'Alexia va être décisive. Si elle vient faire la reprise là, elle aura bien joué. Hein. Ah, ce qui peut vous sauver, je pense que c'est un bouchon ou un grand boule. Il n'y a que ça. Il n'y a que ça. Moi, je pense que si, il va, si elle appelle, ah, il va tirer au bouchon. Il va tirer au bouchon. C'est bien envoyé. Elle avait bien joué. Un peu vite peut-être. Alors, mais alors maintenant, c'est le bouchon. Alors nous, on en prend en face. Hein. Je dis ça comme ça. Si je le prends, si on le prend dans la tête, ça va lui coûter cher. Il n'y a plus que le bouchon, mais il n'y a pas le choix. Je vais mettre les lunettes, on ne sait jamais. Alors moi, du coup, je me cache derrière l'écran. Ouais, bah toi derrière l'écran, moi derrière mes lunettes. C'est joli. Oh, ça méritait mieux, ça méritait mieux. Au B15, 22 ans, mais comme on dit, hein, les terrains ne pardonnent pas. Entre sa première boule et la première au bouchon, là... Il est trois fois droit, mais c'est trois trous quand même. C'est ça. Ça sent le triplé pour... Ça sent le triplé pour John Minaito. Il va le doubler pour qu'il y ait. Après, rien n'est fait encore, mais bon. Rien n'est fait, elle vend de boule, et puis tout peut se passer encore. Elle est belle en l'air, encore une fois. Oh, oh, ouais, c'est super bien joué. C'est super bien joué. Ouais. Vraiment le temps, c'est bien joué. Hein. Ça faisait bien, mais l'idée, c'est dommage qu'elle envoyait un peu plus vite que les autres. Ouais, voilà. Elle était jouée dans la bonne intention. Alors, je pense que là, pour le coup, le vrai jeu, c'est de tirer. Hein. Oh, il va tirer. Si tu éclates les deux, après, si tu éclates les deux, il reste trois boules pour en mettre deux, puis là, il n'a plus que les boules à 2 mètres. Et tu sais que même s'il manque la première, c'est encore le jeu de retirer. C'est 30 buts. Non, le bouchon est un peu loin. Le bouchon est un peu loin. Oh, il la sort toute seule. C'est incroyable, il vient de faire une main énorme. Et ben, ouais. Bah, je pense que les carottes sont plus terminées. Tu vois, regarde la main tout à l'heure. Il avait quasiment tiré à la gagne, il tombe au pied de la boule. À la sortie, ça s'est mal passé, ils en ont perdu 3. Mmh. Et puis là, il a sorti 2 boules toutes seules en grande boule. Donc, alors que je suis allez, le 13ème en main. Oui, 5 points. Philippe Fichez. Pour être champion. Et voilà, c'est fait, bravo. Ça fait bravo aux 4 joueurs. Bravo. Le
Bad John qui réalise le triplé, hein, plus la finale de son championnat de Côte d'Or doublette avec Arnaud Beaucourt. Ils sont qualifiés.